Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un tuto miniature. Donc, si vous êtes ici, c'est que vous voulez apprendre à faire des miniatures style ça, ou ça, ça, ça. Ou j'ai encore mieux comme miniature. La plus belle, je trouve, celle-ci. Qui est une miniature qu'on avait passé, enfin que j'ai passé énormément de temps à la faire. Donc voilà, deux personnages assis qui parlent. Avec marqué Kitty and Seven. Voilà. Plus nos deux personnages version manga. Qui était assez drôle à faire. Donc. Chut. donc voilà. Aussi merci pour ça là. Voilà, 93, c'est bien. Bon, faut attendre décembre maintenant, parce que moi j'ai une petite série là, qui attend quand même décembre pour être en ligne, hein, donc c'est quand même sur un FPS, hein, donc je serai la première fille à, faire une série dessus. Donc, si vous êtes un peu curieux, abonnez-vous, quoi. Parce que c'est un FPS en plus, c'est pas des plus mal, quoi. C'est vraiment un super FPS. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Donc on va commencer. Donc ce qui est ici dans cette version là de tuto, c'est que vous aurez besoin d'aucun logiciel, hein. Vous aurez juste besoin de Minecraft SkinTuber, qui est un petit logiciel mais vraiment tout petit, qui rendra comme ça. Donc là ici vous marquerez votre nom d'utilisateur. Par exemple, je marque la Midnight. Voilà, vous aurez le skin de Midnight. Enfin, ça c'est son nouveau skin du coup. Enfin bref. Parce que c'est son skin qui a été changé, tout pour sa version normale de Minecraft. Bref. Parce qu'elle avait changé. Voilà. Et si vous voulez. Merde. Bon, par exemple, vous voulez, je sais pas moi. Je suis dans 364, voilà. Petite dédicace à droit. Voilà. What? Il a dû changer de skin. Voilà. Tapez-moi, Kitty009. Voilà. Et vous pouvez donner n'importe quelle position à votre personnage. Vous pouvez faire genre il pleure et tout. Voilà, c'est une tragédie. Non, sérieusement, voilà. Vous pouvez lui donner n'importe quel personnage, position et tout. Là, il y a la position de l'étoile de mer, voilà. En fait, c'est une position à enlever. Cookie Power! Voilà, vous pouvez donner toute position. Vous pouvez faire genre, voilà, qui marche. Puis vous pouvez l'arrêter. Voilà, vraiment, si vous avez la flemme de faire un truc qui marche, voilà. Donc ce lien sera dans la barre de description, vous avez juste à faire download, enregistrer le fichier, puis voilà. Hop. Donc, on va donner, donc pour savoir la position qu'on veut donner à peu près à nos personnages, on va déjà chercher un shaders Minecraft HD. Bon, je l'ai mis au pif. On va chercher un shaders qui vous convient. Ou enfin, je sais pas, allez, disons, par exemple, vous faites une, je sais pas trop, moi, un Hunger Game, un truc comme ça. Voilà, par exemple, on pourra prendre ça, ce qui est un beau truc, quelque chose de pas mal, ça, on peut faire quelque chose de bien. Donc, après, vous prenez votre ça, et là, vous pouvez faire genre que votre personnage, il court. Animation, voilà. Courir, j'aime pas trop. Voilà. Le personnage fait ça, puis il court, voilà. On va faire sauvegarder l'image. Je m'en au pif. Je prends ma version Pixel Editor, qui est un logiciel gratuit. Je répète, gratuit.
va chercher notre cheater. Imagine dans cette petite, ça me stresse. Voilà. Un peu qu'est-ce que c'est. Bref, on s'en fout. Calque. Ouais, on a juste que calque. Voilà. Ouh, la vache. Alors, vous avez ce petit problème. En fait, éditer. Transformation libre. Et vive. Hop. Voilà, il fait genre que votre perso est court sur le pont. On l'a un peu grand. Je dois avouer. Oui, voilà. Bon, là, c'est un peu pixelisé parce que c'est de près. Mais pas de ça y est. Voilà, on peut perso court sur le pont. Ou non, je sais, genre, vous faites, voilà, vous faites genre, je suis de retour, un truc comme ça. Donc, après, vous allez sur Textcraft. C'est gratuit aussi, hein, il y aura tous les liens en description. Vous marquez. Je suis de. Puis là, vous marquez en gros. Retour. Donc je suis 2, on va le marquer en petit. Donc ça c'est les contours. On est genre en blanc. Qu'est-ce qui pète ? Quelque chose d'assez joli quand même. Voilà, je suis 2, retour. Et si on va mettre. Voilà. Donc voilà, vous mettez comme ça. Download. Voilà, donc comme ça vous le faites tout seul. Sinon, vous cliquez. Vous faites votre soin. On peut quitter. On fait calque. Ouvrir la marge, donc calque. Téléchargement. Je suis de retour. Voilà. Donc ça, vous mettez. Enfin voilà, vous voyez comme vous voulez. Ouais. Voilà. Hop. Par exemple, je sais pas trop. Allez, on va dire. Vous allez mettre genre des chimies. Vous mettez là un petit Enderman qui traîne par là. Voilà, l'Enderman. C'est vraiment pour montrer toutes les choses qu'on peut faire. Donc après, pareil, vous faites encore. Il prend l'image en tant que calque. Voilà. Et là, vous allez utiliser la baguette magique et la gomme. Et en fait, ça va gommer tout sauf l'Enderman. Et comme on est sur un autre calque, ça va pas gommer ce qu'il y a derrière. Donc on la reprend. Voilà. Par contre, après, il va falloir rentrer dans un travail plus minimaliste. Par exemple. Ah, c'est, des fois, c'est ce qu'on fait. Voilà. Pour enlever le blanc qui dépasse. Oui, on va rentrer dans un. Travail très minimaliste. Voilà. Pareil, on fait transformation libre. Et puis vous mettez par exemple ici, voilà. Ou alors vous mettez. Voilà. Vous mettez par là-haut. Voilà, qui soit dans l'arrière-plan. Voilà, ni vu ni connu. C'est un peu ça. Vous voyez, ça va très bien dans le décor. Allez, on va faire ça. Poulpe. Minecraft. Prenez un poulpe. Truc chelou là, voilà. Oh non, j'ai trompé. Ouvrir. Hop. On va lui même pas besoin de retoucher. Une ouverture de porte à côté de moi, c'est cool. Voilà, puis vous faites genre, vous mettez un poulpe après. Si c'est un peu de la chiotte. Ah, si on peut. Faites comme ça, voilà. Voilà, vous mettez un poulpe, hein, si vous avez envie. Voilà. Vous faites fichier, enregistrer, qualité 100%. Enregistrer, ouais, c'est bien, c'est à vie. Voilà. Donc, ici, on ferme. On va dans nos fichiers, téléchargement, et voilà, donc vous avez votre miniature, qui est toute jolie, toute belle, pour vos vidéos Minecraft. Donc voilà, c'était la petite version sans logiciel,
pratique pour tout le monde. N'hésitez pas à venir vous abonner, à liker toutes mes autres vidéos, à commenter, à me dire si vous voulez la version avec des logiciels pour faire des miniatures encore plus belles ou pas. C'est comme vous voulez. Allez, tchuss!